Et yo tout le monde, c'est Fril pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le 12e épisode sur Erat sur Dofus 1.29 les gars. Donc on va se retrouver pour une petite session drop l'Indecidi mode. Donc c'était pour dropper surtout les diamants sur les Ouginak qui vaut 50 000 karma unité sur Erat, et pour dropper les viscères de Scorbut qui coûtent 150 000 karma les gars. Donc c'est quand même un beau drop, 150 000 karma en cash direct. Pour une petite ressource, on prend direct. Donc j'ai combien de captures à vous proposer les gars? Hop, je vais mettre ma petite baguette. Parfait. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Ah. Donc là j'ai 2 dragons cochons. Donc ça fait 4, ça fait 6. 6, donc soit, tout ça c'est les crabes. Donc 6 plus 8, 6 plus 8. 6 plus 8, oulala. 14, donc les gars j'ai 14 petites doubles scorbuts à vous proposer. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire avant que ça commence combien vous pensez de viscères qu'on va dropper dans cette vidéo. Et je vais finir par 2 captures de dragon cochon. Donc je spoil pas, si je drop, y a pas de soucis, je trouve les frères après, je sais même pas si je vais dropper ou pas. Donc voilà, donc no spoiler, on finira par 2 captures d'essai. Petite, petite turquoise à la fin de la vidéo. Voilà voilà, donc on va directement partir sous les petites scorbuts et c'est parti ça. Attends, je vais peut-être déjà inviter tout le monde dans le groupe et c'est parti. On se retrouve juste après les gars, à tout de suite. Et re, donc deux petits scorbuts avec le châle désigné volontaire et duel. Donc je vous rappelle que j'ai une PP totale de 2266 et pour que un énu a environ... Ouais, environ 300 de PP, 315, entre 330 et 315 de PP chacun. Donc c'est parti, on va finir ce petit combat. Hop. Oh putain. Putain, j'ai fail. Super, commence bien. Allez, attends, je vais rester avec vous jusqu'à la fin du petit combat. Donc voilà, ça fait vraiment très très plaisir de reprendre un petit 1.29 les gars. Ça fait longtemps que j'avais mis un peu la team en stand-by. Parce que voilà quoi, j'étais déjà pas abonné, donc c'est un peu galère pour abonner parce que j'abonne avec les camas de monocompte et pff, voilà. Vu qu'on peut pas se connecter avec la même IP sur le même PC, donc c'est un peu la merde, donc c'est pour ça que j'ai un peu la flemme. En plus j'étais pas là en ce moment, donc c'est plutôt cool. Donc j'espère vraiment dropper au moins pour 1 million de scorbut, pour 1 million de camas de scorbut sur ces 14 captures. Peut-être je suis un fou, mais c'est un peu mon objectif. En tout cas, la dernière fois j'ai fait une session de 15 tout seul, 15 capture et mon Kra en a droppé 3 fois d'affilée. 3 fois d'affilée mon Kra a droppé. 3 fois d'affilée, c'est mon Kra en plus. C'était trop bien. Voilà, j'ai dit que ça m'a fait tellement canner, j'étais refait. Donc, rien pour cette première petite vidéo capture. Allez, on se retrouve juste après. Et donc on se retrouve avec un petit groupe de 4 scorbuts, donc en fait c'est mon plus gros groupe de scorbuts que j'ai chopé avec un petit châle 40%, c'est pas fou, c'est dommage. On va finir ce combat, j'espère vraiment dropper une avec 4 scorbuts, j'espère au moins une va tomber là. Pour l'instant il y en a pas, je vois pas grand chose, pas de diamant, pas de viscère, rien. Et pas de viscère les gars, oh là là. De toute façon si je drop pas, je mettrai comme la vidéo les gars, donc je vous spoil rien du tout, c'est parti. On se retrouve juste après. Et donc on se retrouve avec un petit groupe de 2 scorbuts avec collant focus. 150% supplémentaire. Et est-ce qu'on va dropper la petite viscère? Pas grand chose. C'est quoi ça? Pas grand chose. Et pas de viscère les gars. Putain, oh. Que dalle. Et on va se retrouver juste après. On se retrouve avec encore un petit groupe de 2 scorbuts avec le petit châle économe. Bon, j'ai foiré le dernier, mais bon, c'est fou. Hop. Et... Rien du tout. Ah là là, on galère à dropper aujourd'hui, hein. Pas une viscère. Et on se retrouve juste après. A tout de suite. Et on se retrouve avec les 2 petits châles ordonnés et perdus de vue sur 2 petites scorbuts que je vais finir tout de suite. Est-ce qu'on va drop? Pour l'instant, rien du tout. Rien du tout toujours.
T'as pas droppé une viscère encore. Et c'est pas grave. On va se retrouver juste après. A tout de suite. Et re, donc on se retrouve avec le petit châle de pour le prix d'un. J'ai foiré statue parce que j'ai fail un coffre sans faire exprès, je suis trop con. Et pas de drop sur deux petites scorbutes et un Oginac. Pas de viscère, toujours pas de viscère. Pas de viscère. Et rien du tout. Rien du tout, on se retrouve juste après les gars. Pour une petite, les gars, tous les amis, pour une nouvelle, un nouveau combat, c'est parti. Et re, donc, deux petits scorbuts, avec le petit châle élitiste, c'est parti. Rien. Et rien du tout, putain, mais oh. What the fuck, man. Je drop rien. Ça sera peut-être pas, les 1 million de kamas sera peut-être pas dans cette petite vidéo les gars, je suis un petit peu désolé mais bon. Quand ça veut pas, j'y peux rien. Tac tac tac. Donc on se retrouve juste après. Et re, deux petits scorbuts sans châle, c'est parti. Donc là il y avait plein de trucs. Viscère, pas de viscère, tac. Pas de viscère, toujours pas. Rien. Et toujours pas de viscère les gars. Les amis plutôt. Faut vraiment que je prenne cette habitude de dire les gars. Arrêtez de dire les gars et les amis parce qu'il y a quand même une minorité de féminine qui me regarde les gars. Hop là. Et on se retrouve à tout de suite. Et on se retrouve pour la fin du petit combat les gars. Donc double viscère, châle dernier, sursis quoi, dernier. Et est-ce qu'on va dropper une petite viscère? C'est parti. Toujours pas hein. Toujours pas dans la première page. Non. Et pas une viscère les gars, putain. C'est la merde totale. Bon, on se retrouve juste après les gars, tout de suite. Et re, donc, on se retrouve avec le petit châle perdu de vue, focus sur deux petits scorbuts et un Oginac. Et c'est parti. Ah, du coup, c'est un diamant, putain, ça a de l'argent. Toujours rien. R. Non, ça, c'est pas ça, hein. Oh, une viscère. Et une. Enfin. Putain, une. Il était temps. Ding ding. 150 Mukama. Refait. Hop là. Bon. On se retrouve juste après, les gars. Pour essayer d'en dropper un petit peu plus, quand même, ça serait mieux. Et on se retrouve avec un petit combat double score but, un Oginac avec Nomad et le cheat des devs. Ce bon vieux châle de 1.29 qu'ils ont supprimé. Franchement, c'est dommage. C'est comme sourire de le voir de temps en temps, c'est cool. Allez, encore une viscère, s'il vous plaît. Allez. Rien du tout. Et rien du tout. Il nous reste 3 captures, je crois. Je vais vous vérifier ça. Tac. Ouais, 3 captures les gars. Hop. Et on se retrouve juste après. A tout de suite. Et re, donc on se retrouve avec deux petites scorbuts. C'est parti. Avec le châle. Statue et perdu de vue. Donc rien. Rien, comme d'habitude, hein, pour changer. Rien. Et toujours rien, les gars. Plus que deux petites captures. Hop là. Et on se retrouve tout de suite. Et on se retrouve avec deux petits scorbuts, le Chal, Born et Focus. Et c'est parti. Oh putain, il reste deux. Relou. Voilà. Après, je pense pas faire dans cette vidéo les captures d'essai au final, parce que je vais les garder pour une vidéo exprès pour les décès. Ce sera peut-être un petit peu mieux. Et je pense qu'on... Oh putain, j'ai foiré Borné. Voilà, je fais de la merde. Super. Voilà, donc je pense que je finirai pas par les laisser, les gars. Je suis désolé, mais j'ai plus le faire dans la prochaine vidéo. Car là, ça va faire une vidéo un petit peu trop longue. Enfin, j'aimerais bien arriver à 10 minutes de vidéo et pas plus. Pour que ça fasse trop long pour vous à regarder. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aussi vu la vidéo. Que je reprends une petite team aussi sur Hagrid, les gars. Donc je ferai une petite team donjon PVM. Peut-être du PVP, mais plus tard. Quand il y aura les ligues et quand j'aurai les camas pour. Parce que là, avec mes 300 000 camas sur Hagrid, je vais pas aller loin.
Donc c'est parti, hein. On verra bien. Allez, une petite viscère ou pas? Et non, rien du tout. Et je pense que la dernière, je vais la faire entièrement avec vous, comme ça je pourrai vous parler un petit peu. Parce qu'on a fait beaucoup de drops dans cette vidéo, mais on n'a pas beaucoup parlé. Donc voilà, un Nujinak et deux Piscorbutes, c'est parti, on va rentrer tout le monde dans le combat. Donc j'aimerais quand même avancer aussi sur 1.9, parce que là j'ai déménagé dans le sud de la France. Donc j'espère que j'aurai encore le temps pour faire des vidéos, les gars. Mais je pense que là, d'ici la semaine prochaine, le temps que je m'installe, ça va. J'aurai une petite pause je vais faire une petite pause quand même. Élitiste et nomade. Allez, c'est parti. Tac, tac, tac. Voilà. Donc on a déjà fait élitiste. Pas oublié de faire nomade avec les inutrophes. Donc comme je dis, je m'installe dans le sud de la France dans la semaine là. Et j'espère que je vais trouver le temps. Putain, j'ai foutu nomade. Putain, mais oh. Je pense qu'en en parlant et en faisant l'échelle, c'est vraiment très difficile. Je pense que si vous faites des vidéos, vous pouvez comprendre parce que c'est pas tout facile. Normalement, j'ai fait tout le temps, mais là, vu que je parle, je pense à autre chose. Donc voilà. Donc, j'aimerais aussi monter mon bijoutier, enfin, mes métiers sur mon craft parce qu'il est niveau 38, j'aimerais bien monter niveau 40 et le parchoter 101 sagesse pour continuer à monter la sagesse de mon craft pour qu'il expire plus vite. Enfin, ça, on le fera quand sera le moment parce que là, il faut vraiment que je fasse des kamas pour acheter les capteurs d'essai, pour faire les vidéos et pour XP les Dragodins et pour XP après mes ennemis. Parce que mes Dragodins sont toujours niveau 50 et c'est vrai que mes ennemis sont toujours en stand-by niveau XP, ça c'est pas foufou et je peux pas continuer en fait avancer niveau XP et à leur mettre on va dire un stuff un peu meilleur que je laxe un glorifiant et tout. Hop, je sais pas si glorifiant ce que c'est. Allez, on va voir si j'ai droppé pour la dernière. Allez s'il vous plaît. Rien du tout. Rien, rien, rien. Rien. Et une viscère. Et une viscère. Yes. Et c'est Frill 6 qui la drop, donc ça fait deux petites viscères pour cette vidéo, donc ça fait 300 000 kamas brut. Bah brut, mais aussi brut. C'est bon, voilà quoi, c'est pas foufou. C'est pas foufou des foufous, mais bon, c'est toujours ça. Content de vous avoir proposé une nouvelle vidéo sur 1.29. J'espère que ça vous a diverti, que ça vous a plu. Toujours encore, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, objectif 1000 abonnés, s'il vous plaît. Allez, je vous fais un gros bisou et à bientôt. Plus.